Good morning, allez, Iden et Tusra, aujourd'hui le Nishmat, Rosette, Zohara, Batultana, et Maurice Moshe Ben Sultana, Moshe Michel Ben Alin Bachla Rachel, David Ben Fortuna Mazal Fritna, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Betraina. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étions en Sechet Sota, Père Gimel, Mishnahé. Rabbi Shimon Omer, En Zchut Tola Bamaim Amarim. ואם אתה אומר, הזכות עולה במים המערירים, מדהה אתה את המים בפני כל הנשים השוטות, ומוציא אתה שם רע על התהורות ששתו שאומרים תמאות הן, אלא שתלתה להן זכות. רבי אומר, הזכות עולה במים המערירים, ואין היולדת ואין המשבחת, אלא מתנבנה והולכת לסוף עם מתה באותה מיטה. On avait parlé dans la mishnah précédente que si la femme a fauté, alors dès qu'elle va boire l'azot de la sota, on avait déjà expliqué que son teint va changer, va devenir verdâtre, ses yeux vont devenir d'un coup globuleux et sortir des orbites, des veines qui vont lui sortir de son visage, de je sais pas tout son corps. Après, comme la Torah le précise ensuite, son ventre va gonfler, ses membres vont se décomposer, et voilà. Maintenant, on avait vu aussi qu'il y a une femme, si une femme elle a du mérite spécifiquement du Talmud de Torah de son mari ou de ses enfants, même si elle fait une avéra, alors le mérite de ce qu'elle a fait, de sa Torah qu'elle a diffusée, qui a été diffusée grâce à elle, va la protéger quand même pendant un an, deux ans ou trois ans. Sur ça vient Rabbi Shimon et me dit attention, Rabbi Shimon dit En zchuto labamayim amarim, En, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mérite qui va protéger la femme. Tu sais pourquoi? Parce que sinon c'est impossible, la Torah nous a donné un moyen de vérification qui ne vérifie rien. En plus de ça, alors il a deux propos. D'une part, veille mata omer, et si tu oses prétendre à zrut tola ba maimam aririm, que le mérite va lui suspendre sa punition dans les eaux maudites, les eaux qui maudissent plutôt, et bien dans ce cas-là, Madhe ata et amaim bifne kol anashim ashotot. Tu vas Madhe, ça veut dire tu vas assombrir, je traduis d'abord littéralement, tu vas assombrir l'eau devant toutes les femmes qui vont boire. Et en plus, ou motzi ata shemra ala teorot shechatou. Et tu vas même ensuite sortir des rumeurs sur les femmes qui ont déjà bu. Shomrim tmeot hed, parce que les gens vont dire sur elle, elle était impure. Et là, Shetalta la nisrut seulement, elle avait du mérite qui la protégeait. En deux mots, Rabbi Shimon prétend une chose très logique. C'est quoi cette histoire? Tu me dis qu'une femme qui a du mérite, elle va boire des eaux de la sota et elle va peut-être pas mourir immédiatement, et elle va pas mourir. Mais dans ce cas-là, il va y avoir deux catastrophes qui vont se passer. D'une part, comme ce qu'on a appris depuis le Perek Aleph, on met énormément de pression sur la femme. Pour que si elle a fauté, qu'elle reconnaisse avant de boire l'eau, parce qu'on n'a pas envie d'effacer le Shem Hashem dans la Megillah, qu'on doit effacer l'eau. Donc du coup, on va lui faire plein de pression morale pour qu'elle explose et qu'elle le reconnaisse. Et il faut qu'elle tremble de l'eau de la sota. Or, si tu me dis qu'une femme qui a du mérite, eh bien, elle peut ensuite, l'eau de la sota va la protéger, elle va être protégée contre l'eau de la sota. Ben, tu vas avoir l'effet contraire, qu'une femme, elle ne va plus avoir peur des eaux de la sota. Moi, j'ai fauté, je vais essayer de camoufler jusqu'au dernier instant. Imaginez quelqu'un, d'accord, quelqu'un qui a commis quelque chose de moche, de terrible, et qui va se dire qu'il finalement, tant qu'il va se dire qu'il peut être camouflé, que ça ne va pas être su, il va se sentir tranquille. Or, on a envie qu'elle soit stressée au maximum. Donc c'est impossible. C'est sûr que l'eau de la sota, si elle a fauté, elle va tout de suite se décomposer. D'accord, premier propos. Deuxième propos en plus, à part ça, et une femme, ça a été la risée de tout le quartier parce qu'elle s'est isolée avec truc et tout le monde se moquait d'elle. Et du coup, jusqu'à ce que son mari, il l'a amenée à la sota. Il l'a amenée pour voir les eaux de la sota. Elle a sorti du Beth Amikdash et puis elle n'est pas morte. Donc en théorie, elle est devenue maintenant, elle a été blanchie. Que maintenant, du coup, les gens vont arrêter les ragots sur elle parce que c'est une femme propre qui n'a pas fauté. Mais si tu dis que les eaux de la sota, la sota elle protège, alors cette pauvre femme maintenant, qui est partie boire alors qu'elle n'avait pas fauté, d'accord, c'était pas joli de s'isoler.
Mais elle, en tout cas, elle était très propre. Maintenant, à la sortie, elle a bu le de la sota, les gens ils vont commencer à continuer à maintenir les ragots sur elle, qu'en fait elle a fauté, mais qu'elle a du mérite, parce que quand elle était jeune fille, elle aidait son père à étudier la Torah, etc. Et du coup, comme ça va faire que. Donc tu as fait deux catastrophes. D'une part, les gens, les femmes ne tremblent plus des eaux de la sota, d'une part, et à part en plus, les ragots, rumeurs sur elles, vont être maintenus. Alors non, il n'en est pas question. C'est sûr que la Torah n'a pas pu donner cette mitzvah en tolérant, en acceptant que si elle a du mérite, que ça va la protéger. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Omer, Rabbi dit, non, sache que effectivement, le mérite protège. Mais j'ai une solution à tout pour toi. Tu sais, c'est quoi? Azchut tola bemaim. Sache que le mérite va effectivement mettre en suspens la punition. Mais quand même, malgré tout, vena yoledet, mais elle ne pourra plus mettre à coucher. Vena meshabachat, elle ne va plus aller en s'améliorant. Elle a au contraire, elle a mitnavna veoleret, mais elle va plutôt devenir de plus en plus laide et pâlir et moche, s'amochir et aller. C'est-à-dire de plus en plus s'amochir. La sof imeta beotamita, jusqu'à ce qu'à la fin elle va mourir, la pauvre, complètement par cette mort. Ce rabbi m'a dit, il n'y a aucune contradiction. Effectivement, le mérite va suspendre le onesh, mais ça ne va pas suspendre le onesh au point, la punition. Ça ne va pas suspendre au point où elle va être complètement blanchie de punition, pas du tout. Depuis les premiers instants, on va voir, elle va déjà rentrer chez elle à la maison, on va voir que c'est plus la même chose. Elle va devenir avec un teint un peu moche. Elle va, tout son éclat, il va partir. Alors que normalement, une femme de la sota, une femme qui a bu les eaux de la sota, faut savoir ça, une femme qui a bu les eaux de la sota, si toutefois elle n'avait pas fauté, elle ressort du Beth-Amikdash, elle devient de plus en plus rayonnante, elle va avoir des enfants beaucoup plus beaux qu'à l'époque. Si elle n'accouchait pas, si elle était stérile, elle va avoir des enfants. Si elle avait des enfants qui accouchaient difficilement, elle accouchera facilement. Ils seront beaux, ils seront intelligents, ils ont toutes les eaux. Cette même eau de la sota devient une bracha pour elle. D'accord? Ça, c'est si elle n'a pas fauté. Mais si elle a fauté et qu'elle n'est pas morte tout de suite, sache que malgré tout, elle va entrer chez elle. Doucement, doucement, elle va se décomposer jusqu'à qu'on va comprendre qu'en fait, en réalité, il y a eu quelque chose qui s'était passé. Et que juste elle a eu du mérite qui l'a protégée. D'accord? C'est la vie de Rebbi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, Salam.